Salam alaikum, bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre du mécanique du fluide. Donc le module qu'on vient de commencer il y a juste une semaine, d'accord? Donc aujourd'hui, on va voir la cinématique du fluide. Donc la dernière fois, on a vu un premier chapitre concernant statique, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de mouvement relatif des particules fluides. Aujourd'hui, on va voir la cinématique, c'est-à-dire on va étudier le mouvement du fluide indépendamment du cause qui lui a donné naissance à ces mouvements-là. D'accord? Donc, on ne va pas parler des forces ici, on va juste faire une description du mouvement. Voilà, donc on va rappeler ce que ça veut dire particule fluide. Donc, particule fluide, c'est une entité élémentaire, et en fait c'est un ensemble de molécules ou bien de particules qui ont, si vous voulez, la même vitesse. Donc la dernière fois j'ai dit que les grandeurs macroscopiques comme la vitesse et la pression, etc., ce sont constantes au sein d'une particule fluide. Donc il faut se rappeler que c'est pas une seule molécule. Donc, il s'agit d'un ensemble, d'accord? Donc, la particule fluide, cette notion-là, est intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. Donc, et ça se situe à l'échelle mésoscopique. D'accord? Donc, vous savez qu'à l'échelle microscopique, les grandeurs physiques, telles que la température ou la pression, varient tellement rapide. Alors qu'à l'échelle mésoscopique, les grandeurs sont pratiquement constantes. Pour faire la cinématique du fluide, on a deux approches possibles, soit faire une description eulérienne ou bien lagrangienne. Donc, la description eulérienne consiste tout simplement à établir à un instant T donné l'ensemble des vitesses associé à chaque point de l'espace occupé par le fluide. Et c'est exactement la même description qu'on utilise en électrostatique, en magnétostatique, ça veut dire en électromagnétisme. Donc, c'est-à-dire à un instant donné, je vais voir au point M1 et au point M2, ça veut dire l'instant T1 par exemple, des vitesses. Et un autre instant, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans ces points. Donc, on va jouer le rôle d'un gendarme qui se place en un point et regarde, si vous voulez, les vitesses du véhicule qui passe par ces points-là. D'accord? À un instant T2, par exemple, les vitesses vont changer. Comme vous voyez sur la figure, elles vont donner naissance à V1 au point M1 et à V2 au point M2. Donc, à chaque instant, l'écoulement du fluide est décrit au moyen d'un champ de vitesse. Pourquoi j'ai dit un champ de vitesse, de vecteur vitesse? Parce que cette grandeur-là, elle dépend à la fois du temps, mais aussi de l'espace. Donc, c'est un champ. Chaque fois, une grandeur physique dépend de l'espace, ça s'appelle un champ. Donc voilà, ça c'est la description eulérienne et c'est d'ailleurs cette description qu'on va adopter pour faire la cinématique dans ce chapitre-là. Et bien sûr, on va par la suite essayer de déterminer le champ de vitesse d'accélération, etc. Donc dans cette description, on appelle ligne de courant. C'est la courbe qui, en chacun de ces points, est tangent au vecteur vitesse. Donc, c'est une notion qui est propre à la description eulérienne. C'est exactement les lignes de champ, c'est comme les lignes de champ électrostatiques et magnétostatiques utilisées en électromagnétisme. D'accord? Par exemple, ici, nous avons le point M1. La vecteur vitesse à un instant donné T0, il est tangente là.
En M2 aussi, nous avons une vitesse V2, M3, etc. Et si vous voulez, la ligne qui est tangente à tous ces vecteurs-là, ça s'appelle ligne de courant. Donc, comme vous pouvez constater, si je change, si je à un instant T1, je vais avoir une autre courbe, une autre ligne de courant. D'accord? Donc, cette notion-là, donc c'est quelque chose qui évolue au cours du temps. Donc, il y a évolution dans le temps, il y a changement, si vous voulez, de ligne de courant à un instant et un autre instant. Voilà. Donc, par opposition à la description eulérienne, nous avons aussi la description lagrangienne. Cette description-là, c'est celle qu'on utilise pour étudier le point matériel, c'est-à-dire la mécanique classique que vous connaissez. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va suivre l'évolution de la position des particules, c'est-à-dire on va suivre la particule. Donc ici, on va avoir la notion de trajectoire, c'est-à-dire on va suivre l'évolution du mouvement. De la particule fluide, on va tracer la position des particules, chose qu'on appelle la trajectoire. D'accord, donc l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du gendarme, donc si jamais le gendarme possède un hélico et suit une véhicule, par exemple une voiture. Donc ça s'appelle, ça c'est la description lagrangienne. D'accord? Nous avons la particule P qui est à l'instant T0 ici. Ensuite, il est à l'instant T1, il va changer de position, à l'instant T2, etc. Donc le lieu géométrique entre toutes ces positions-là, ça s'appelle tout simplement trajectoire de la particule. Comment peut-on avoir cette trajectoire? On peut utiliser tout simplement grâce, c'est une photo avec un temps de pose infini. Mais il faut faire attention, il ne faut pas confondre une ligne de courant avec trajectoire. Ce sont deux notions très bien différentes. D'accord? La première notion, ligne de courant, ça fait partie de la description eulérienne. L'autre, ça fait partie de la description lagrangienne. Par exemple, ici, nous avons bien sûr à l'instant T0, V1 en rouge, V2, etc. Et à l'instant T1, je vais avoir V1, instant T1, etc. Donc, comme vous voyez, la ligne de courant n'est pas confondue avec le trajectoire. D'accord? De trajectoire, tous les deux sont tangentes, mais tangentes à la vitesse, mais tout simplement, ligne de courant, cette notion, ça se fait à un instant T précis, alors que trajectoire, on change le temps. Ça veut dire la particule va changer de position. Comme une petite remarque, si l'écoulement est stationnaire, c'est-à-dire permanent, c'est-à-dire il est indépendant de temps, dans ce cas, le champ de vecteur de vitesse est constant dans le temps. Et dans ce cas, il y a coïncidence entre ligne de courant et trajectoire. Donc on va avoir, si vous voulez, donc la notion, ça veut dire la même chose que ligne de courant et trajectoire. Ligne d'émission. D'accord? Donc ça, c'est aussi une notion qu'on trouve en mécanique des fluides. Donc toutes les particules qui sont passées par un même point. Regardez, E par exemple, on a des particules qui passent par E. Donc un instant T, si à l'instant T, sur une courbe qui s'appelle ligne d'émission. D'accord? Donc voilà, donc à l'instant T3, donc la particule va se retrouver là. Ensuite, T4, regardez, l'instant T4, voilà, donc la particule va changer de position, va se trouver là-bas.
Voilà. Tout qui sont en jaune, ce sont les trajectoires. Alors que qui en vert, ça s'appelle ligne d'émission. Pour avoir les lignes d'émission, donc par exemple les avions utilisent du colorant, donc ils donnent du couleur particulier aux particules pour avoir les lignes d'émission. Donc cette notion, donc les gens qui font la master par exemple, ou bien les gens qui étudient l'agrégation, donc c'est une notion qui est indispensable pour eux. Voilà, voilà. Donc pratiquement une ligne d'émission, comme je viens de dire, peut se visualiser en fixant une source colorante au point E. Donc les courbes colorées correspondent effectivement aux lignes d'émission. Voilà. Maintenant, on va parler des types d'écoulement. Donc un écoulement, par exemple, permanent, ou bien on dit aussi stationnaire, lorsque le champ de vitesse, de vecteur vitesse est statique, c'est-à-dire il ne dépend pas du temps. C'est-à-dire il ne change pas si je change le temps. Et dans ce cas, on vient de voir que les lignes de courant sont fixes dans l'espace. Ainsi, on a vu que les trajectoires coïncident avec les lignes de courant. Les lignes d'émission coïncident également avec les lignes de courant. Donc, voyez-vous, lorsque nous avons un écoulement permanent, il y a coïncidence de trois notions. Notion de ligne de courant, ligne d'émission et trajectoire. Équation de continuité, ou bien ça s'appelle aussi l'équation de conservation de la masse. Donc, pour démontrer cette relation, je vais considérer un volume élémentaire dV qui se forme d'un parallélépipède de volume dV égal à dx, dy, dz. Et je vais essayer de voir l'évolution de la masse au sein de ce petit volume. D'accord? Cette évolution, bien sûr, au cours d'un temps dt. Donc la masse de ce petit volume, ça fait tout simplement ρ, dx, dy, dz, avec ρ, c'est la masse volumique. Pendant dt, il va y avoir, par exemple, une variation de la masse. De sorte que dm est égal à la dérivée partielle de m par rapport à dt fois dt, ce qui donne, puisque dx, dy est indépendant du temps, dρ sur dt, dx, dy, dz, dt. Donc ça fait tout simplement dρ sur dt fois dv fois dt. Ça suppose que ρ est une fonction éventuelle du temps aussi. Cette variation est due à quoi? Ça veut dire ça veut dire causée par quoi? D'une part, on peut avoir par exemple des masses qui entrent et qui sortent. Ça c'est petit i. Donc cette variation peut être due tout simplement à des masses qui vont entrer et des masses qui vont sortir. En 2i, donc, ou bien tout simplement on peut avoir à l'intérieur de dV un puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de sorte que des particules seront détruites, ça veut dire seront consommées. Ou bien créées, ça veut dire on peut avoir à l'intérieur de dV des sources qui vont créer les particules. Voilà, donc maintenant on va considérer, en I, ça veut dire les. On va faire le bilan des particules qui entrent et sortent. Je considère que, voilà, je considère vecteur vitesse avec les composantes U suivant X, V suivant Y et W suivant Y. Comme vous voyez sur la figure en vert, donc ce sont les composantes des particules qui entrent et qui sortent. La même chose en bleu et en rouge. Par conséquent, la masse qui va entrer pendant dt, ça fait tout simplement ρ fois v dx dy dz, donc c'est-à-dire ρ fois le volume, puisque v fois dt, donc c'est en fait
20 fois DT, c'est une longueur. Donc, ça va être la vitesse suivant l'axe Y. V DT, c'est DY. Donc, rho fois V fois DX fois DY fois DZ, ce n'est autre que la masse qui va entrer. Et nous avons aussi une masse qui sort, de sorte que je vais avoir rho V DX DY DZ DT à la position Y plus DZ. Donc le bilan sur l'axe Y, ça fait tout simplement la somme. Si je fais la somme, je considère que dy est faible, donc je peux faire un développement limité. Donc j'aurai tout simplement cette quantité-là, moins d rho v sur dy, dx, dy, dz fois dt. Et ce dx, dy, dz, ce n'est autre que dv. Ça, c'est un travail qui a été fait suivant l'axe Y. Donc, de la même manière et par analogie, on va trouver, si vous voulez, le bilan de la masse suivant l'axe X et suivant l'axe Z. Donc, exactement de la même manière. Donc, on considère la masse qui entre et la masse qui sort. Et en faisant la somme, on va avoir entre crochets moins d rho u sur dx plus d rho v sur dy plus d rho w sur dz fois dv. Et ça, c'est quoi en fait? Puisque u, v et w sont les composants de vitesse, ce n'est autre que, si vous voulez, la divergence. Donc, au total, j'ai dm, je considère uniquement la première considération, j'ai, si vous voulez, j'ai dm, comme je viens de dire, est égal à... voilà, maintenant, la deuxième considération, si je considère qu'à l'intérieur du dv, il y a puits ou bien source. Ça veut dire quelque chose qui crée ou bien quelque chose qui détruit, c'est-à-dire qui consomme les particules fluides. Donc on va appeler QV, si vous voulez, un débit volumique de fluide créé, si jamais nous avons des sources avec QV positive, ou bien QV négative, si jamais il s'agit de puits, par unité de volume, d'accord? Donc, cette masse-là, la variation de masse, correspond tout simplement à rho fois QV dV fois dT. Donc, si je considère que j'en ai plusieurs sources ou bien plusieurs puits, je peux faire une sommation comme ça, sigma I, rho QVI dV sur dT. Donc, le bilan global, ça va être tout simplement dm égale d rho sur dT, dx, dy, dz fois dT. Donc ça, c'est la variation, si vous voulez. Cette variation est due à quoi? Elle est due tout simplement à des particules qui rentrent et qui sortent. Donc c'est la partie 1. Et la deuxième partie, ici, c'est tout simplement la variation qui est due à une présence éventuelle de puits ou bien de sources. Donc, comme je viens de dire, ça, c'est quoi? C'est la divergence de rho V. C'est moins nabla de rho v, ce n'est autre que moins divergence de rho v, plus sigma de rho fois qvi, lorsqu'on a simplifié par dv partout, et on a simplifié aussi par dt. Donc ça correspond à quoi? Il correspond tout simplement à un bilan, d'accord? Un bilan de masse, et ça s'appelle aussi l'équation de continuité. Donc, cette équation traduit tout simplement la conservation de masse. Donc, des cas particuliers, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'un écoulement permanent, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance en temps, donc d rho sur dt égale à 0, et je vais avoir la divergence de rho v égale tout simplement à la somme de rho qvi. C'est-à-dire... voilà, je peux avoir divergence lorsque il s'agit de l'existence de source ou de puits à l'intérieur du volume dV. Lorsque l'écoulement
Lorsque l'écoulement est d'un fluide incomplet, pour un écoulement d'un fluide incomplet, ρ est constante, c'est-à-dire ne dépend ni de temps ni de l'espace. Dans ce cas, ρ est constante, donc j'ai le droit de la faire sortir de la divergence. Et je peux simplifier ρ partout et je vais avoir tout simplement divergence de V est égale à la somme du QV. Avec QV représente, si vous voulez, le débit volumique lorsqu'il y a source. Un autre cas particulier, c'est lorsque nous avons un écoulement conservatif, ça veut dire que je n'ai ni puits ni source, donc la somme du QV est égale à zéro. Et dans ce cas, je vais avoir un fluide. Et lorsqu'il s'agit aussi d'un fluide incompressible, donc je vais avoir dV égale à zéro. Donc, ça, c'est un cas très particulier pour un fluide incompressible, la divergence de V égale à zéro. Donc, j'ai un fluide incompressible. En plus, l'écoulement est permanent. Débit. Donc, je vais revenir sur cette notion de débit. Donc, je considère une surface S. Le débit massique du fluide est donné tout simplement par Qm. C'est l'intégrale de rho Vn ds. Donc, c'est un fluide, tout simplement, fluide du vecteur rho V à travers ds. Donc, le débit est donné par cette formule. Donc, pour OC, on peut définir ce qu'on appelle le débit volumique. Surtout pour les liquides, on utilise souvent cette notion de débit volumique. Donc, toutes les lignes de courant s'appuyant sur OC, et nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle tube de courant. C'est-à-dire, toutes les lignes de courant s'appuyant sur une même courbe fermée constituent ce qu'on appelle une surface appelée tube de courant. Voilà, donc, comme vous voyez, donc, ça c'est un tube de courant. Si le coulement est permanent, le tube ne va pas évoluer dans le temps, alors je vais avoir dans ce cas conservation du débit massique, ça veut dire le débit massique à l'entrée en S1, QM en S1 est égal à QM en S2. Et si le fluide de plus il est incompressible, c'est-à-dire ρ est constante, alors je vais dans ce cas avoir non pas la conservation du débit massique, mais la conservation du débit volumique. Donc je vais m'arrêter ici, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. On va faire la deuxième partie, si vous voulez, de cinématique. Merci, à très bientôt, au revoir.